Et le point 15, c'est la création d'un poste dans le cadre d'emploi des agents de police municipale. Pour les besoins de la police municipale, dans le cadre de la mobilité d'un agent en détachement, donc il est proposé aux conseillers municipaux et aux conseillers municipaux de créer un poste à temps complet dans le cadre d'emploi des agents de la police municipale. Vous savez que nous avons un agent de la police municipale qui s'en va dans une autre commune. Donc, pour l'instant, on propose de créer un poste pour la remplacer, s'il nous le faut. On ne peut pas rester avec un seul policier municipal et un ASVP qui, de toute façon, n'a pas les mêmes prérogatives qu'un policier municipal. Donc, il nous faut avoir une deuxième personne. Donc, c'est le but de cette délibre de la création d'un poste dans le cadre d'un emploi de police municipale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, pardon, je suis allé. Vous me donnez l'habitude de votre question. Je coupe mon micro. Juste une petite précision. Donc là, c'est dans le cadre du départ vers une autre collectivité. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a personne à un an, possiblement un an, pour revenir. Ce poste-là, donc c'est le poste d'ASVP qui serait supprimé, entre guillemets, si la personne revenait au sein de la collectivité. C'est bien ça? C'est pour ça qu'on a fait un CDD d'un an, ouais. Parce que on a le risque, enfin si on veut appeler ça un risque, le risque existe entre guillemets, donc on veut pas se mettre une charge supplémentaire, donc on fait cette manip là. Si je peux passer au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, eh bien je vous remercie. Merci, on peut dire qu'on a été efficace. L'ordre du jour donc étant terminé, je vous souhaite une belle soirée. Prochain conseil municipal donc le jeudi 14 novembre. Merci et belle soirée. Mmh.